Mais en fait, on est un étendard. C'est tout à fait juste ce qu'il disait hier. On est une bannière. Il suffit qu'on grimpe une photo, mais voilà. Et d'ailleurs, pour moi, c'est comme ça que le Seigneur il m'a dressé un peu. Une fois, on était dans une réunion à la Valette. On était en train de prier, je crois bien que j'étais par terre, oui, ça m'arrive pour pas. Et j'étais plutôt en boule, voilà. Et de mon donné, le Seigneur, il a dit, étale-toi. Je dis, il y a du monde, voilà. Et j'ai senti le Seigneur, il m'a tiré un bras, ensuite il m'a tiré l'autre. Il a dit, tu es un étendard. Tu es un étendard. Tu as quelque chose, tu as un message de ma part à donner. Est-ce que tu vas oser te lever? Ésaïe 62:10. Passez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière au-dessus des peuples. C'est ça notre vœu. Pas simplement laisser entrer le roi de gloire, mais laisse-le sortir aussi. Hein? La bienveillance, la bonté, la patience. Qui a besoin de patience? Voilà. Qui a besoin de bonté? Ça ne va pas être gagné. Non, mais bien sûr. Je vais commander une centaine de chats. Mais parfois, le Seigneur peut dire dans un moment de louange, si on est dans une grande réunion, je vais sortir ces bannières et je dis si vous en avez besoin, qui a besoin de bonté? C'est vrai. Non. Alors celui-là, le bannière, il peut être utilisé comme ça. C'est aussi légitime. Pourquoi être déployé, c'est aussi une manière d'aller à la guerre. Moi, j'aime bien aller à la guerre. Ah. C'est pas tout seul. Et celui-là, il est un petit peu... Et le Seigneur nous invite en tout cas à revêtir et à porter les vêtements qu'il nous a donnés.